Ok. Eh ben bonjour. Bonjour à tous. Je sais pas combien vous êtes derrière votre écran. Bienvenue à l'annexe de la Villa Noailles. Vous avez le plaisir d'exposer une série de pièces de peinture, de sculpture et de dessin à l'occasion du festival Pichoun. Et on devait faire des ateliers en présentiel avec des enfants. Et on a remplacé ça par un live, donc vous serez plus nombreux à pouvoir en profiter. Il y a pas mal d'étapes, de toute façon ne vous inquiétez pas, tout sera mis en ligne en replay sur le site de la Villa et sur le compte Instagram de la Villa, sur le mien aussi je crois. D'abord je vais un peu me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Xavier Noël, je vis et je travaille à Strasbourg et je suis à la fois plasticien, alors j'aime pas du tout ce terme, on va dire artiste, et artisan d'art avec une formation d'horreur à la feuille. Et mon travail il se... je travaille autour du motif du masque et d'objets hybrides entre plein de choses et il faut que ce soit fun. Ça c'est le point de convergence de toutes mes pièces. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est un petit masque avec différentes techniques. D'une part la technique de la dorure, le papier mâché. On va faire des pompons ensemble et puis un petit truc de finition avec des plumes en papier. Et ça, aujourd'hui, on va voir comment on fabrique la structure du masque avec de la pâte de papier. Demain, on verra comment on fait de la dorure. Donc ce sera de la dorure avec de la feuille de cuivre. On ne va pas dorer avec de la feuille d'or parce que c'est un peu trop cher, c'est un peu trop technique. Et le résultat est tout aussi joli. Et lundi, on verra comment on fait des pompons. J'ai une technique pour en faire plein d'un coup, donc soyez attentifs, ça va être chouette. Et puis voilà, normalement si tout se passe bien, mardi on finit le petit masque et puis n'hésitez pas surtout, enfin pas n'hésitez pas, c'est poster vos réalisations, on les partagera, ce sera chouette. Et ben on va commencer du coup, je pense qu'aujourd'hui ça va durer à peu près une heure. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Souvent, je vais un peu vite. Alors, peut-être en commentaire, si jamais c'est trop rapide, vous dites stop. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout sera en replay. Donc, vous pouvez revoir les étapes de fabrication. Je commence peut-être par vous présenter le matériel dont on a besoin. Il y a des petites choses que j'avais oubliées dans la liste qui peuvent être affinées. Des choses qu'on a à la maison, genre des couverts qui peuvent nous servir, etc. Ce qu'on va commencer à faire, parce qu'il faut que ça gonfle, c'est la colle. Donc moi je travaille maintenant avec de la pâte de papier et tout ça c'est fait à base de colle à papier peint. Ou colle d'amidon, c'est ce que j'avais dit. Alors en fait je préfère la colle à papier peint parce qu'elle est plus rapide et que moi je manque de patience parfois. Donc ce qu'il vous faut c'est un seau, une bassine, éventuellement un bol. On n'a pas besoin de grande quantité, donc c'est pas la peine de vider toute la boîte de colle. Et normalement, vous avez toutes les indications qui sont sur les packagings. Là, en l'occurrence, ce que je vois, les proportions, 3 litres 5 d'eau. Non, ça c'est pour faire 5 litres de papier peint, donc c'est pas tout à fait ça dont on a besoin. Moi, je le fais un peu à l'œil. J'ai l'habitude maintenant, mais si vous voulez vraiment les proportions, bah, regardez sur votre paquet, c'est généralement très très explicite. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que la colle à papier peint, elle fait rapidement des grumeaux. Donc pour éviter ça, en fait, vous mettez de l'eau au fond de votre seau et vous commencez à créer un tourbillon. Alors là, je vais travailler avec un pinceau. Le mieux, c'est de travailler avec une cuillère en bois, un bâton, tout ce que vous voulez. Mais le pinceau, en fait, il y a de la colle qui va se mettre dessus. C'est pas trop trop grave. Il faut juste éviter qu'il y ait plein de grumeaux. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Et donc on fait le tourbillon et on balance, on saupoudre plutôt la colle dedans. Et on continue à tourner. Et on peut épaissir la colle au fur et à mesure. Si vous voyez qu'elle est trop épaisse, vous pouvez rajouter un peu d'eau. Si vous voyez qu'elle est trop liquide, vous pouvez rajouter un petit peu de colle. Des fois je peux avoir la main un peu lourde là-dessus. Et en fait, il faut savoir qu'elle gonfle, vous la laissez reposer à peu près un quart d'heure et elle va prendre sa texture, la texture adéquate. Je suis désolé, je ne parle pas en anglais, s'il y a des spectateurs anglais, en tout cas anglophones,
C'est un peu trop compliqué de faire les deux en même temps. Après, les gestes parlent. Et puis, les ingrédients, on les trouve partout, donc ça devrait pas poser de problème. Là, elle commence à venir, on sent que l'outil avec lequel on remue a un peu plus de résistance. Je vais encore en mettre un peu, je vais la laisser reposer. Et puis, là, j'ai commencé à faire des grumeaux. Donc les grumeaux, faudra peut-être les enlever. Si vous en voyez, que vous arrivez à les enlever, enlevez les plus gros, parce que sinon, ça peut faire des trucs un peu indésirables. Voilà, pour l'instant, je vais la laisser reposer. En fait, comme je voulais que vous voyiez à peu près toutes les étapes, j'ai pris de l'avance. La colle, on va en avoir besoin pour la suite. J'ai pris de l'avance hier et j'ai préparé la base de la pâte. Donc, je vais vous montrer après comment on fait, mais pour l'instant, la colle, je la garde parce que pour la première étape, on va avoir besoin de colle brute. La pâte, vous pouvez la faire, vous n'êtes pas obligé de la préparer la veille, hein, c'est, vous pouvez la faire à l'instant T. Moi, ce que j'ai mis dans la liste, c'est du papier toilette parce qu'on en a tous à la maison. Ce que j'utilise moi à l'atelier généralement, c'est de la boîte de cellulose. Donc en fait, ça m'économise une étape. Le papier toilette, il faut le déchirer en petits morceaux. Donc ça, on le refera après, mais je vous montre déjà en attendant pour qu'il n'y ait pas de temps mort. Le mieux, c'est encore de séparer les feuilles, mais si vous n'avez pas le temps, vous déchirez en petits morceaux qui font 2 cm carrés, quelque chose comme ça. Et ce qui est pas mal, c'est de le faire dissoudre dans de l'eau, parce que dans la colle, ça met un peu plus de temps à se dissoudre. En fait, ce qu'on utilise dans ça, c'est la fibre du papier qui va donner une structure à la pâte. Et ce que vous, en proportion, c'est à peu près 2 fois une brassée comme ça, quoi. Vous faites 2 fois ça, et normalement, ça devrait être bon. Vous pouvez toujours en rajouter, mais c'est au moins ça, quoi. Ce dont vous allez avoir besoin dans les étapes suivantes, c'est de protéger votre table, parce que la colle à papier peint, autant ça se nettoie super bien, autant ça colle. Donc, histoire de ne pas flinguer la table de la cuisine, mettez du journal. Et puis, vous pouvez vous préparer une petite planche ou un morceau de poil ciré ou un truc qui n'est pas trop adhésif, parce qu'on va en coller avec un pinceau directement sur la planche. Alors la colle, elle a gonflé, parce qu'on voit, ça commence à faire une espèce de gel. Elle n'est pas encore tout à fait gonflée, normalement elle devient translucide, donc on va la laisser encore un peu imprégner. D'ailleurs, les grumeaux ont commencé à disparaître, il y en a encore quelques-uns, mais... Et là, elle a la bonne texture. Il faut que ce soit un peu comme... comparativement... un gel douche, un peu épais. Et ce qu'on va faire en attendant que ça gonfle, on a préparé le papier toilette, ça on peut le laisser de côté. La première étape de fabrication, ça va être du grillage. Donc moi j'utilise ce grillage-là que vous trouvez en magasin de bricolage sous l'appellation grillage à lapin. En fait il est pratique parce qu'il a une toute petite structure, donc ça va être plus simple pour faire des formes, on peut maîtriser davantage la forme. Alors là c'est une étape où si vous avez des gants de travail, on est moins à l'aise pour couper, mais c'est quand même vachement bien pour vos doigts. Parce que quand on coupe, en fait, ça fait des toutes petites pointes qui sont horribles, surtout en période où on se met du gel hydroalcoolique toutes les heures sur les mains. Et là, vous sentez toutes les coupures. Donc, faites gaffe. Demandez à vos parents, si vous êtes des petits pitchounes, demandez à vos parents qui vous aident. Ou alors, si vous êtes des grands pitchounes, faites gaffe à vos mains. Et là, on coupe. Alors moi, pour les petits masques, je fais à peu près un carré de 15 sur 15. Je vous montrerai après, j'en ai déjà découpé. Comme j'en ai déjà découpé hier et que j'ai passé par cette étape qui est un peu longue, si j'arrive pas jusqu'au bout, je vais vous montrer. Enfin, vous avez compris comment ça marche, quoi. En plus, c'est assez facile parce que c'est comme une feuille de papier quadrillé. On peut se repérer assez facilement.
le trajet de la pince. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas envie de me recouper. Je me suis coupé hier. Donc, encore une fois, faites attention. Le mieux, c'est les petits gants de chantier là, qui protègent bien les doigts. Et on obtient ça. En fait, on va obtenir donc, un petit carré. On va le mettre en forme, grosso modo. On pourrait s'arrêter là. Moi, je fais des pièces qui sont rectangulaires. C'est à peu près l'étape à laquelle je m'arrête. Mais là, on va faire un petit rond parce qu'on va venir faire une couronne de pompons autour. Donc, le truc, c'est de venir replier les angles. Et vous vous servez de votre pince pour bien aplatir. Vous pouvez vous servir d'un marteau aussi, mais si vous voulez éviter de faire trop de bruit, c'est plus doux comme ça. Voilà, ça se plie assez bien. L'objectif de ça, c'est d'éviter justement tous ces petits morceaux de métal. Là. C'est l'étape où on se pique aussi, donc faites gaffe, gardez vos gants si vous les avez mis. On replie les quatre angles. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir recouper toutes les petites barbes, parce que là, il y a des petites barbes. Donc, on va venir les recouper une par une, comme ça. D'une part, on ne se pique pas, et d'autre part, quand on va venir l'entourer de journal, ça ne va pas déchirer le journal et ce sera plus propre. Tout ce qui dépasse. Je crois que c'est bon. Et après, on peut le mettre en forme, parce qu'il va falloir qu'on obtienne quelque chose qui est un peu bombé. Et là, ça se travaille assez bien. Avec les doigts, vous allez venir le modeler pour obtenir des bords un peu bombés. Je répète, faites gaffe à vos doigts. Bon, celui-là, il n'est pas nickel. Je préférais celui que j'avais fait hier. En fait, plus les angles sont, plus je replie, plus ça fait un espèce de losange. Mais ça marche quand même. Après, ça va être... les bords vont être recouverts par les pompons, donc c'est pas trop grave si vous n'avez pas tout à fait la forme. L'intérêt, enfin, l'objectif, c'est d'avoir un truc un peu bombé. Voilà. Donc là, on revient à ce que j'avais fait hier. Ça, ce sera l'étape suivante, et c'est ce qu'on va faire maintenant. La colle, elle est prête. Donc elle a gonflé, elle est plus transparente que tout à l'heure. Et là, on va pouvoir l'utiliser. Donc, vous prenez du journal. Ça, c'est pas facile à trouver. Alors, le journal, il y a toujours un sens pour la fibre. Donc, généralement, c'est toujours le même sens dans un même journal. Mais ça arrive que ça change suivant les journaux. Donc, dans un sens, on arrive à faire des belles bandes. Dans l'autre sens, ça part dans tous les sens. Donc, vous commencez, vous essayez un sens ou l'autre. Et nous, on veut avoir des belles bandes. Donc on y va comme ça. On va faire au moins deux grands morceaux qui font un peu plus que la taille du masque. Donc ça, on peut recouper. Alors, c'est mieux de découper à la main parce que vous allez avoir des bandes qui sont irrégulières. Si vous coupez au ciseau, en fait, vous allez avoir quelque chose de trop droit. Ça ne va pas bien coller. Les bandes ne vont pas bien se coller les unes aux autres. Donc à peu près la taille de la pièce fois deux. Ce qu'on peut faire, c'est on se met sur le bord de la table, on tire un coup. Ça, c'est un petit truc d'ébénite. On peut le papier de verre et ça marche super bien. Tac. Vous gardez les petits morceaux de journaux, ça pourra servir à tout. Je vais en faire trois, comme ça on sera tranquille. Je vais en faire vachement plus. Hein. Et après, c'est les petites bandes. Donc là, on va recouper. C'est à peu près entre 2 et 4 cm de largeur. Là, on va en faire. Dizaines, ça va assez vite. Je suis en train de les couper, j'en ai déjà préparé d'avance. Donc on les garde de côté. Je vais nettoyer un peu le plan de travail. Celles qui ne sont pas utilisables. Ou légères. Et en attendant. Non, pardon. Il n'y a pas d'attente là. On va aller directement en coller parce qu'il faut qu'on serre de la colle brute. Donc pinceau maintenant. On va mettre de la colle sur la planche. Alors, je vais servir d'une autre planche parce que celle-là, elle est toute propre alors que l'autre elle est déjà servie. Autant salir la même. Hop.
et là on encolle. On peut mettre largement de la colle et on tire. On peut croiser pour enlever les surépaisseurs. Et là on va venir avec les grands morceaux au départ. Là je peux en mettre deux. Hop. Donc il y a de la colle en dessous, je rajoute de la colle par-dessus. On y va généreusement. En fait, le papier journal, il commence à devenir un peu translucide. Donc ça s'imprègne de colle, c'est ce qu'on veut. Là, vous allez commencer à vous coller les doigts juste après. Donc, faudra avoir un lavabo pas loin pour aller se laver les mains pour les étapes suivantes. Et une fois qu'il commence à devenir un peu gris, c'est-à-dire que la colle a bien imprégné, vous pouvez laisser un peu plus. On y va, et là, on y va avec les doigts. Et on replie tout autour. Alors ça va vous coller au doigt, ça va pas être propre tout de suite, mais c'est une première étape seulement. L'objectif de ça, c'est que quand on va mettre ensuite la pâte de papier, elle va pas traverser le grillage et couler sur la table et tout, on va pouvoir maîtriser un peu mieux notre travail. Et là je prends l'autre pour faire le dessous. Donc des fois ça colle sans qu'on le veuille. Ce que vous pouvez faire, c'est la mettre dans l'autre sens pour pouvoir vraiment avoir des languettes qu'on va revenir, enfin qu'on va venir replier sur l'avant. Il faut éviter les bulles d'air, donc on plaque bien le truc. Et on peut venir, en essuyant bien le pinceau, il ne faut pas qu'il y ait trop de colle là, on peut venir lisser. Si vous avez des plis, donc les bulles d'air on évite, mais les plis c'est pas grave, ils vont être gommés par la pâte dans les étapes suivantes. Ça on le met de côté pour le moment, et c'est là que viennent les petites bandes. Bon, ça c'est une grosse bande, on va la garder quand même. Je vais prendre une plus petite. Donc ça c'est la technique qu'on appelle du papier mâché en fait. Il n'y a pas besoin de mâcher du papier pour faire du papier mâché. Et là, elles vont nous servir à faire la couture, entre guillemets, autour pour bien sceller le grillage à l'intérieur de la gangue de papier mâché. Donc là, on travaille avec les doigts. On tire la matière. Des fois, ça se recoupe comme ça quand on tire. C'est très bien. Comme ça, on arrive à faire quelque chose de plus précis. Ça, c'est bien de le faire pardon, c'est bien de le faire assez tôt parce qu'il va falloir que ça sèche bien. Donc comme on est dans une saison où on a allumé les radiateurs, c'est parfait. Une fois qu'on aura mis la... Parce que là je vais faire deux étapes qui en fait normalement se font en un jour. En deux jours. Je n'ai pas fait assez, ma poche est trop petite. Ça doit sécher, ça va devoir sécher une nuit, ou alors si vous avez un radiateur qui chauffe à fond, ça va sécher dans la journée. Et après l'étape de la pâte de papier, faut le faire sur une structure sèche. Donc comme je voulais vous montrer toutes les étapes, on a été obligé de resserrer. Mais voilà, il y a quand même un temps de séchage. De toute manière, c'est ce genre de métier qui vous apprend la patience, parce que si on accélère les choses, en fait, ça foire. Donc, moi, en fait, avant d'apprendre le métier de doreur, bon, là, c'est pas tellement des techniques de dorure, mais j'étais ultra impatient. J'étais toujours en train de peindre avec un sèche-cheveux pour que ça aille plus vite. Et ce que le métier d'artisan m'a appris, c'est que la patience, c'est obligatoire. Faudrait que tu parles un peu plus fort. Ah, faut que je parle plus fort encore, j'ai l'impression de crier. Ok, je vais essayer de parler plus fort. Et on peut préciser qu'on gardera bien les vidéos en direct et qu'on pourra les revoir sur l'Instagram de la Villa Noailles et sur le site internet. Et puis vous pouvez toujours envoyer un petit message si vous avez une question, je vous répondrai. On a des visiteurs à l'expo, bonjour. Le parapluie. Pour
parce que le Zico c'est une galerie, donc on est ouvert, on peut vendre des pièces, les pièces sont en vente, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire une expo malgré cette année compliquée où il n'y a pas eu beaucoup d'expo. Donc on obtient ça, une fois qu'on a collé toutes les bandes, on obtient un petit truc, on voit plus le grillage à travers, enfin en tout cas on voit plus le morceau de grillage, on devine la structure, c'est bien, c'est normal, ça veut dire que ça a bien collé. Et donc ça, ce que je vous disais, vous le mettez sur un radiateur, évitez le four quand même, parce que des fois ça crée des... Moi j'ai déjà essayé, hein. je reste quand même un peu impatient. Mais le four, ça crée des surprises, ça fait des bulles des fois, donc c'est pas la bonne solution. Le radiateur, pendant... vous pouvez aller le surveiller, mais disons pendant une journée, c'est bien, ou la nuit, toute la nuit, bon, dans un radiateur, comme ça vous réveillez le lendemain, c'est prêt. Est-ce que tu peux redire quelle colle tu as utilisé ? De la colle à papier peint. Colle à papier peint, ce que j'avais mis dans la liste, c'est colle à papier peint en colle d'amidon. En fait, dans la colle à papier peint, il y a de l'amidon aussi, souvent. La colle d'amidon, elle est un peu plus faible que la colle à papier peint, et des fois, vous avez de la colle à papier peint qui est super strong. Du coup, vous avez une structure qui est bien solide. C'est mieux. Et puis, vous la trouvez plus facilement, la colle à papier peint. Dans tous les magasins de bricolage, vous en avez. Et là, j'ai effectivement les mains qui collent. Mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut avoir les mains dans la matière. Donc ça on laisse de côté et on passe à la préparation de la pâte donc, que je vous avais montré tout à l'heure. Il manque encore une étape là-dedans qu'on fera après. Et je vous montre comment on la continue une fois qu'on a fait la colle à papier peint. Donc ce que j'avais dit c'est préparer le papier toilette. Donc il va me coller aux mains, ça va être super chouette. Le pouce qui s'envole. Vous pouvez le mettre en confetti comme ça. Si jamais vous trouvez dans les magasins de bricolage aussi de la ouate de cellulose, en fait ça sert normalement pour l'isolation des bâtiments. C'est des morceaux de journaux qui sont complètement réduits à l'état de fibre et c'est assez pratique. Après ça se vend par énormes ballots qui font... un peu un cauchemar ça. C'est des énormes ballots qui font 1 ou 2 mètres cubes. Moi j'en ai acheté à l'atelier, je m'en sers tous les jours, j'en ai acheté il y a 5 ans. J'ai pas consommé la moitié du ballot en 5 ans, donc c'est peut-être pas la peine si vous voulez faire de temps en temps un masque ou vous voulez faire qu'une pièce. Le papier toilette c'est très bien. Ok, on est partout. Donc vous mettez ça dedans. C'est ça qui va être le plus long en fait, c'est d'enlever les morceaux de papier toilette des doigts. Ah, c'est le cauchemar. Il y a beaucoup de questions sur ton pull aussi. Ah, c'est quoi les questions sur le pull ? D'où il vient ? Ah, je me suis fait plaisir il y a 2 ans. C'était les seuls chez Acne Studio et j'ai complètement craqué sur ce pull. Et j'adore quand il commence à faire frais parce que je peux enfin remettre mon pull. Voilà, donc on y va. On remue. C'est vraiment de la cuisine en fait. Au début, on a l'impression que ça va pas se mélanger, mais en réalité, avec l'eau, ça finit par se déliter. Donc, je vais essayer de vous montrer. Faut être patient, là, pareil. Je vais essayer de vous montrer. Alors, j'ai jamais essayé dans un robot mixeur. Je suis sûr que ça marche. Vous avez peut-être flingué le robot mixeur de vos parents. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de vous dire ça, mais si vous avez un vieux mixeur, ça peut marcher. Donc on touille, je prends l'accent du sud, je devrais pas, c'est hyper... on n'a plus le droit de faire ça. Et là, ouais, on commence à voir que le papier disparaît. Au revoir, monsieur, bonne journée. Là, ça prend un peu de temps, faut être patient, encore une fois. Là, on peut voir, en fait, il y a des morceaux qui sont collés entre eux, donc ça, il va falloir les retirer. On peut voir que ça devient plus translucide. Donc, je vais y aller, d'ailleurs, je vais les retirer tout de suite, parce que ceux-là, ils ne se mélangeront jamais. Hop. Et là, j'en ai partout. Voilà, une fois que vous avez quelque chose qui est à peu près homogène, là c'est pas tout à fait le cas, mais en fait si
si je prends une partie qui est assez homogène, vous avez quelque chose comme ça. Vous voyez encore un peu le papier, mais c'est du papier mélangé à de la colle. Vous pouvez en mettre plus encore. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre plusieurs récipients, vous gardez un peu de colle de côté pour en rajouter éventuellement. J'ai fait tout dans le même parce que j'avais déjà préparé ce qu'il fallait hier, mais c'est pas mal des fois d'avoir un peu de réserve pour pouvoir revenir en arrière si on est allé trop loin. Ça peut être plus prudent. Donc ça c'est bon, on peut le garder pour le moment. Ce que j'avais précisé, c'était après soit on prend du blanc de meudon, moi je travaille avec ça parce que ça c'est vraiment le matériau à la base des techniques traditionnelles de dorure. Blanc de meudon, c'est aussi de la, on appelle ça de la craie. Blanc d'Espagne, c'est pareil. Carbonate de calcium, c'est exactement la même chose. En fait, donc c'est de la craie en poudre, ce qui est pas mal, parce que j'avais précisé qu'on pouvait prendre de la farine, ça marche aussi. Disons que là, c'est une base minérale, la farine, il peut arriver qu'elle moisisse dans le temps. Donc c'est plus sûr de prendre du blanc de meudon. Après, on peut mélanger les deux. Voilà, comme on m'a trouvé du blanc de meudon. Je vais prendre le blanc de meudon, la farine vous pouvez quand même l'utiliser, il faudra juste bien vernir après pour être sûr que ce soit étanche à l'air, voilà. Et surtout bien faire sécher avant de vernir, parce que comme ça vous êtes sûr qu'à cœur il n'y a plus d'humidité. Donc avant de mettre le blanc de meudon, ce qu'on va faire c'est qu'on rajoute de la colle vinylique, donc c'est de la colle blanche, on peut rajouter du vernicole aussi, c'est pareil. L'intérêt c'est que c'est une base... plastique quelque part qui va assurer une structure bien, bien solide quoi. Et là j'y vais un peu à l'œil, j'ai jamais de proportion dans ce que je fais, donc j'en mets là c'est l'équivalent de 4-5 cuillerées à soupe pour voilà, vous voyez en fait le fond du seau, je pourrais pas forcément dire ce qu'il y avait comme quantité, je pourrais y réfléchir plus tard et mettre des bonnes quantités, mais je fais tout à l'œil. Donc là, ça blanchit bien l'ensemble. On commence à avoir quelque chose d'assez homogène. On mélange bien et je vais en rajouter un petit peu. Il n'y en a jamais trop en fait. Hop, encore une fois pareil. On remélange. Et là, on est à peu près au moment de ce que j'avais préparé hier. En fait, j'avais mis plus de papier toilette hier. Donc, elle est un peu plus épaisse. Donc là, je switch. Je fais vraiment le truc façon émission de cuisine à la télé. Là c'est bon. Vous prenez un autre petit récipient. Vous pouvez le faire directement dans le seau, mais là comme j'ai fait des grosses quantités, je ne veux pas gâcher tout le blanc de meudon. Et vous prenez un petit récipient, avec une cuillère c'est mieux qu'avec le pinceau, ça vous permet de jauger un peu plus, sachant qu'on va avoir besoin de l'équivalent, là c'est un fond de bouteille, petite bouteille 33 cl. Vous prenez l'équivalent d'un demi-bol, allez, un petit demi-bol, un demi-petit bol, comme vous voulez. Et là, donc vous avez votre préparation, on prend le blanc de meudon. Alors le blanc de meudon, c'est de la craie, si vous en mettez sur vos vêtements, en fait, ça rentre dans les fibres, vaut mieux aspirer si vous tâchez avec. Que ça part à la machine de toute façon, mais que d'essayer de l'épousseter parce que sinon c'est encore pire. Mais ça part à la machine, ne vous inquiétez pas, c'est super naturel. Et là on en met à peu près l'équivalent dans un premier temps de la quantité de préparation à base de colle. On fait moitié-moitié et ensuite on remue. On remue doucement pour vraiment intégrer le blanc de meudon à la préparation. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une pâte qui va ressembler à un plâtre un peu dense. Alors l'avantage, c'est que ça sèche assez lentement. Du coup, vous n'avez pas à vous speeder pour comme le plâtre qui va se figer trop vite. Là, on est vraiment tranquille pour cette technique.
Là, vous voyez, on commence à obtenir quelque chose qui est vraiment... Il commence à tenir seul, quoi. Donc, ça, c'est une première fois. Je préfère mettre le blanc de meudon au fur et à mesure, parce que si on en met trop, la pâte va être cassante. Donc, il vaut mieux surveiller le processus en étant... en divisant les proportions. Donc là, je mets la moitié de ce que j'ai mis avant pour avancer prudemment. Et on continue. Et plus on va mettre de blanc de meudon, plus la pâte va se décoller des bords. Donc ce que j'avais pas mis dans la liste, j'avais oublié, puis j'y ai pensé hier, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à anticiper. À l'atelier, j'ai toujours les outils sur place, mais faire des listes de ceux avec quoi on travaille, des fois, c'est un peu abstrait. C'est une spatule. Ça, c'est assez bien, une spatule, pour pouvoir travailler l'étape suivante. Si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez toujours travailler avec une cuillère à soupe, par exemple. Et puis, si vous n'avez pas de cuillère à soupe, vous pouvez toujours travailler avec un petit morceau de bois, plat, quelque chose comme ça. Enfin, ouais, l'équivalent d'un... Et là, je remets de nouveau un quart de la proportion. Là, ça devient bien élastique. Ça se mélange bien, le blanc de meudon, ça fait pas trop de grumeaux, surtout quand il est bien fin. Si jamais il y a des grumeaux dans le pot, vous pouvez le tamiser, comme de la farine. Encore une fois, l'équivalent d'une cuillerée à soupe, on avance doucement, prudemment. Et là, on a la bonne texture pour l'étape suivante. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. On ne va pas tout utiliser là, parce qu'on s'en resservira encore ensuite pour faire les petits ornements qui vont aller dessus, type nez, bouche, etc. Alors là, ma spatule, elle est un peu grande, mais on va se débrouiller. Il faut que j'en mette plus. Donc, je vais faire un peu... C'est pour ça qu'il faut quand même protéger votre plan de travail. Donc une planche qui craint rien, c'est très bien. Hop, voilà, ça va suffire. Donc on peut même le travailler un peu comme ça. On peut même rajouter avec la spatule du blanc de meudon directement dessus. Là, ça va être très bien. Et là, on vient... gainer. Là, c'est un peu sale. Je suis allé un petit peu vite. J'aurais pu rajouter plus de blanc de meudon, mais ça va le faire quand même. Mais si elle est un peu plus épaisse, c'est mieux. C'est la première fois que je fais un live, en fait, faut être indulgent. J'espère que vous le saurez. Donc il faut éviter de remettre les doigts là où on est passé, parce que sinon on va enlever de la matière, on va se coller sur les doigts, ça va être un cauchemar. Et ça crée des petits reliefs, des petits accidents. On va les garder, ces petits accidents, parce que c'est ça qui va donner un peu de texture pour la dorure. Si c'est tout lisse, en fait, on va avoir un objet qui va avoir peu de relief, et c'est plus rigolo d'avoir des petits accidents. Alors normalement, il vaut mieux travailler avec de l'eau. Alors c'est ce que je vais faire là. Prenez un petit verre. Le mieux, c'est d'avoir de l'eau tiède. Mais là, elle est super froide, donc ça va le faire quand même. Et j'ai la main qui colle. Et vous mouillez vos doigts. Si vous travaillez avec les doigts secs, en fait, ça va coller à vos doigts. Si vous avez les doigts humides, vous allez pouvoir... tous les petits pics, vous allez pouvoir les enlever comme ça, en lissant. Sur les côtés, pareil. Et vous voyez, ça crée des petits creux qui vont vachement bien ressortir avec la dorure. Ça, c'est intéressant. Et puis, vous avez le grain aussi, on peut le laisser à certains endroits, le grain du papier, qui va donner vraiment le caractère à la pièce.
hop, tout le tour. Alors, le mieux, c'est aussi de faire l'autre côté. Mais ça, il faudrait laisser sécher. Donc ça, si vous avez le temps pour les vacances de Noël, prenez le temps de bien faire les choses. Là, c'est un peu compliqué en live, en fait. Après, je l'ai déjà fait avant. Mais c'est mieux d'avoir les deux côtés qui sont enduits parce que ça vous donne une pièce qui a plus de stabilité. Ce sera plus facile aussi de mettre une attache si la pièce est épaisse. Et là, voilà, on obtient notre base. Donc ça, pareil que la première étape, on laisse sécher devant le radiateur. Ça met assez longtemps à sécher, mais si on a un bon radiateur, en une nuit, c'est déjà bien sec. Donc pour la dorure demain, en fait, ce sera sans doute pas le séchage optimum. Mais d'ici, voilà, vous regarderez le replay, et puis d'ici quelques jours, vous pourrez attaquer la dorure. Moi, j'avais déjà donc préparé un truc dans mon atelier, donc c'est sec, ça devient vraiment solide. On voit encore un petit peu la trame, donc ça, on peut éventuellement le poncer. Ça se ponce très bien, ce matériau. Moi, je la garde parce que je trouve que c'est joli. C'est très granuleux. J'avais utilisé donc ma ouate de cellulose, donc elle est un peu plus granuleuse que le papier toilette. Ça, j'aime bien. Si jamais vous voulez quelque chose de très granuleux, par exemple, vous pouvez rajouter de la sciure dedans. Et une fois qu'elle est enrobée de la pâte, là, ça donne vraiment des reliefs intéressants. Et donc, voilà ce que ça donne pour la structure une fois qu'elle est sèche. J'avais préparé aussi des petits... donc ça, on va voir maintenant. En fait, sur mes masques, il y a deux solutions. Soit je viens directement faire les ornements à même le support, donc ils sont vraiment soudés au support. Soit je les prépare en avance. Et je viens les coller ensuite, ce qui est plus simple pour la dorure. Donc c'est à peu près le résultat qu'on va obtenir. Et ça, on va le faire maintenant. Donc pour les couleurs, c'est pas, je repeindrai ça, quoique le nez en noir, c'est pas mal. Donc pour faire ces petits éléments autonomes, c'est pour ça qu'on a rajouté, on a gardé du blanc de melon de côté et on a gardé de la pâte en avance. Là, on rajoute deux bonnes cuillères à soupe de blanc de meudon. Donc là, c'est l'étape où on se salit un peu plus. Enfin, on peut salir le plan de travail un peu plus. Là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut être prudent. Il ne faut pas trop en mettre d'un coup parce que si elle est trop épaisse, elle va être friable. Généralement, je le fais dans un bol, mais ça marche très très bien sur dans une petite casserole. Moi, je travaille beaucoup avec des casseroles. Ça marche très bien sur une planche aussi. Après, c'est juste qu'on perd peut-être un peu de matière si la planche adhère. On en remet. C'est vraiment de la cuisine. Là, elle commence à devenir... Et on arrive à l'enlever assez bien. Ça veut dire qu'elle devient comme il faut. Bon, c'est pas garanti que vous y arriviez du premier coup, hein, mais faut pas se décourager. Il faut faire plusieurs essais. Bien écraser le blanc de meudon dedans, comme ça pareil, on n'a pas de grumeaux. Là, ça commence à ressembler à une pâte à brioche, une pâte à pizza. Mais je travaille pas avec les mains tout de suite parce que ça va me coller au doigt et ça va pas être pratique. On est au centre-ville de hier, donc il y a un petit peu de circulation, donc c'est le jour de marché. Du coup, il y a quelques bruits parfois. Alors là, je vais tester avec les doigts pour voir si on a la bonne texture. Non, pas encore. En fait, quand c'est vraiment trop collant, c'est que c'est pas encore bon. Donc là, on en rajoute. Enfin, cuillerée à soupe par cuillerée à soupe, c'est plus prudent.
Moi, ce que je fais généralement avec le blanc de meudon, c'est que j'ai un saladier à l'atelier qui sert que à ça, et que du blanc de meudon, et je viens faire ma boule de pâte, entre guillemets, pâte à modeler directement dedans. C'est aussi, ça permet de maîtriser un petit peu on en met très peu, ça commence à devenir bon. On en met très peu, et je vais laisser ce qu'il y a sur la spatule. Et bah c'est comme la cuisine, en fait. Je répète, hein, je me répète. Hop, j'en mets juste un peu au-dessus. J'en mets sur mes mains. Comme ça, ça colle pas trop. Là, je travaille. Ce que je fais, c'est que je l'ouvre. On rajoute un petit peu dedans. Je l'étale et je referme. Et après, je pétris. Quand ça colle au doigt, c'est que c'est pas encore bon. Donc là, ça colle à mes doigts. Je repasse dedans. Là, ça commence à devenir bien. Là, c'est vraiment comme une pâte à modeler, faite maison, avec que des ingrédients naturels, à part quelques adjuvants dans la colle à papier peint, mais globalement, on est quand même sur des produits qui ne sont pas toxiques. En revanche, en hiver, ça sèche les mains, la craie. Donc, petite crème hydratante après s'être lavé les mains, après avoir travaillé, c'est nécessaire. Là, c'est bon, ça devient bon. Donc, on a vraiment... En fait, elle craque un tout petit peu quand on l'écrase. On ne va pas rajouter davantage de craie, ça veut dire qu'elle est saturée en craie. Mais on va pouvoir la détacher et faire des petits éléments. Là, le mieux, c'est d'avoir du... J'ai pas pris ça, mais c'est d'avoir du papier cuisson. Ça, on en a tous à la maison, on en trouve facilement. Ou alors, en magasin de loisirs créatifs, c'est encore mieux. Il y a des feuilles de papier siliconé. Comme ça, ça attache pas du tout. Et bon, là, on va faire comme ça. Je vais prendre... je vais le mettre sur la planche. Voilà. Donc, vous façonnez, admettons, un nez. Vous faites un petit boudin. Moi, j'aime bien, si vous connaissez mon travail, ils ont souvent une forme un peu arrondie, enfin d'arc de cercle. Donc voilà, là on a un nez. On fait une petite boule pour faire un premier œil. Hop, avec le pouce, on y va doucement. On écrase un peu. Tac, un œil. Un deuxième. S'ils n'ont pas la même taille exactement, c'est pas grave, ça donnera un peu plus de caractère à la pièce. Mais s'ils n'ont pas la même forme, c'est encore mieux. On voit que c'est fait à la main. Alors, je vais éviter de salir mon globule. Et pour la bouche, puisque j'avais décidé de faire un petit arc de cercle, bah, c'est assez facile. On fait un cercle. On va couper en deux. Donc j'ai ma spatule qui est un peu sale. Hop. Et là, s'il y a des barbes, on les laisse pour le moment. On viendra après éventuellement avec un petit morceau de papier de verre pour les poncer. Mais c'est pas la peine d'essayer d'égaliser tout de suite parce que ça va être plus compliqué qu'autre chose. Et après, vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Si vous ne voulez pas faire exactement ce que j'ai fait. On va se servir encore une fois de ça pour venir vraiment égaliser les bords du masque. Donc on peut préparer un petit boudin. Généralement, je l'ai fait d'un quart de cercle, si je travaille sur un cercle. Là, vous mouillez. On peut mettre de la colle aussi, mais comme il y a de la colle dans la préparation, ça va normalement suffire. Et vous venez l'écraser grossièrement, comme ça, autour. Ensuite, vous mouillez. Et on tire la matière dessus. Je n'ai pas le pouce mouillé. Dessous. Toujours les doigts mouillés, sinon ça va pas glisser. Pas le reposer parce que sinon ça va écraser. Vraiment le faire. Ah, il y avait une petite barbe qui dépassait.
L'avantage, c'est comme c'est pas super dur, on peut les enlever. Hop. Ça demande un petit peu de dextérité, ça. Et si jamais c'est pas parfait, vous inquiétez pas, vous pouvez toujours revenir une fois que vous avez laissé sécher. Vous mettez un petit peu... Quand, une fois que c'est sec, c'est mieux de remettre de la colle. Colle blanche, hein. Colle vinylique, colle à bois, c'est ça, c'est de la colle blanche. C'est ce qu'il y a de mieux pour ça. Pour l'instant, c'est à peu près le seul ingrédient un peu chimique qu'on a dans la préparation. Hop, je vais faire tout le tour, parce que je m'en servirai demain, cette pièce-là, il va falloir qu'elle sèche. Si jamais ça colle sur vos mains, remettez de la craie. Bon, les bords, s'ils sont pas nickel, vu la pièce qu'on va faire, après vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vu la pièce qu'on va faire, c'est pas grave puisque ça va être caché par les pompons. Alors, si vous voulez faire une pièce un peu différente, c'est pas mal d'avoir des bords bien propres. Pour lisser, vous pouvez faire un petit biseau comme ça, et ensuite l'écraser délicatement, l'arrondir. Donc là, quand on fait ça, en fait, les bords ils vont être plus lisses que le milieu. Moi, ça me dérange pas. Si vous voulez quelque chose de plus rugueux, bah, il faudra peut-être retravailler ensuite, faire des petits pics à la main quand la pâte est encore fraîche, ou alors venir carrément lisser un peu plus l'ensemble pour que ce soit plus homogène. Moi, j'aime bien quand c'est la matière qui décide. Un dernier. Je suis trompé. Hop. Toujours de l'eau. Là, j'en ai un peu trop mis. Je l'enlève. Ok. Et voilà. Voilà notre base pour le masque. Donc en résumé, j'avais un morceau de liage en dessous. On part de ça. Deuxième étape, on recourbe, on met en forme. Troisième étape, on gaine avec du papier journal. Quatrième étape, on a enduit. Et puis la dernière étape, c'est on fait les bords, on laisse sécher. Et on se retrouve demain pour la suite. Donc demain, étape dorure. Ce sera un petit peu technique. Il y a des... Ce que je vous ai demandé de vous procurer, c'est ce qu'on trouve assez facilement. Moi, j'ai des produits professionnels de dorure qui sont un peu différents. On arrive très bien à se débrouiller avec ce qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs ou dans les magasins de bricolage. Après, comme ça vous donnera les bases demain. Pour pouvoir éventuellement poursuivre de votre côté. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Moi aussi, moi ça m'a beaucoup plu. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est passé super vite. Et